Après, de base, surtout sur certains types de consoles, tu sais très bien qu'il faut jamais acheter la première version. Je me rappelle encore des premières, des toutes premières Xbox. Oh, mais oui. Maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la grande porte quand on veut. Explorons un peu. La première Xbox avec son... son Ring of Death, là, où ta console, hop, petit cercle rouge, tu l'as dans l'os, c'est mort. Je sais plus ce que c'est, le nom du royaume de feu, c'est Muspelheim. Il me semble. Mais on a accès qu'à 3. On a Helheim, celui des elfes. Non, c'est Elfheim, celui des elfes. Helheim, c'est l'enfer, et du coup c'est Muspelheim. Bah pour l'instant, pour moi, la saison est terminée, donc à la prochaine saison. Peut-être à la prochaine race, là, le 4 mai, je verrai, Hurricane. Mais encore une fois, j'ai plein de jeux où je joue de manière de cycle. C'est un cadeau des géants. Puisque je passais mon temps à voyager entre les royaumes, ils se sont dit que ce serait plus pratique que de transporter un cristal avec moi. Ça t'a fait mal? Non, j'avais eu la sagesse de me fortifier avec 16 coupes de la bière des filles des guerres. J'étais tellement saoul que j'ai essayé de convaincre les géants de les mettre dans mes tétons à la place. What? J'ai failli réussir d'ailleurs, vous imaginez? Mimir téton de Bifrost. C'était le bon. The fuck. ça va, j'arrête. Je pense que c'est trop tôt, on est au début de l'année pour dire jeu de l'année. Après, le jeu est bon, honnêtement, mais c'est pas non plus, comment dire... C'est pas non plus la même claque que j'ai eu par exemple avec le... Avec le Zelda. Mais après, encore une fois, c'est une question de goût. As-tu oublié le raccourci? Ah oui, il a raison. Dis pas que de la merde, le gosse. De toute manière, que ce soit Warframe, Pass of Exile ou WoW, faut savoir que tôt ou tard, j'y retourne. Donc, voilà. Après, on a tous le droit de choisir son propre GOTY, hein. Ouais, encore une fois, pour moi, tu peux pas mettre 20 sur 20 un jeu, mais c'est un débat qu'on a déjà eu. Allez, ce coup-ci, on va lui péter sa bouche. Il va manger mes kikoulam. Elle est où l'épée? Oh, faut que je me retape tous les challenges avant de pouvoir revenir ici? Non. Atreus, avec moi. C'est bon, j'arrive. Ouais, bizarre. Juste avant le jeu là, j'étais retourné un petit peu sur WoW parce que j'aimerais farmer 2-3 choses avant la sortie de la prochaine extension. Du coup, sûrement que j'y retournerai parce que il faut que je farme quelque chose. Il y a pas mal de choses qui vont disparaître avec la fin de l'extension actuelle et il faut que je les obtienne avant qu'on puisse plus les avoir. Ah. On peut lui parler. J'espère que tu ne disputes plus avec ton frère. Peut-être bien qu'il devient un peu moins pénible avec le temps qui passe. Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire, vois-tu? Ah oui? Qui ça? Bah, c'est pas la première fois que tu viens, si? Bien vu. Hop. Sûrement quand j'aurai fini God of War. Hop. Après, je ferai peut-être une journée... Une journée Monster Hunter pour aller try la grosse babette qu'ils ont rajoutée récemment, juste pour voir.
Encore une fois, si vous voulez voir des vidéos de Lost Ark, vous avez juste à aller sur la chaîne de Steparou. Et en ce moment, il continue d'uploader pas mal de vidéos du jeu. Bizarre, il n'y avait pas l'épée. Ouais, Puricane. Je l'ai streamé 240 heures. Ah mais d'accord, je suis retourné un petit peu en arrière, c'est pour ça. L'épée, elle est là. Et moi justement, plus je vois de vidéos de Lost Ark et plus j'ai peur. Parce que c'est pas vraiment, ça upload énormément de vidéos où c'est très très scripté. Genre, c'est pas des grandes maps ouvertes où tu vas déglinguer du mob en mode juste je farm. C'est vraiment toute l'histoire. Et ça, ça me gêne un petit peu. Après, encore une fois, wait and see. Comme toujours. À ce coup-ci, je me barre pas tant que j'ai pas éclaté cette saloperie d'elfe. Oh, ça va m'énerver, mais je vais le défoncer. Désolé si je lis pas beaucoup de chat, concentration, tout ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas ma rune. Ah, je fais n'importe quoi. Oh non, pas ça! Ouais, je vais recommencer. Salut, Kyrion. Merci pour le follow. C'est gentil, merci à toi. Non, encore une fois, j'aime pas cette rune. Oh, mais vas-y, je déclenche le truc et je le prends. Putain, ça c'est vraiment de la merde. Ça me fait rager, mais de ouf. Vas-y, on commence. Et merci à toi aussi, Panda. C'est gentil. Ah, il y a un nouveau Hack'n Slash Warhammer qui est sorti, mais il est sorti de nulle part. J'ai jamais entendu parler ni rien. C'était un peu chelou. Ça, c'est mort. Ah, il y a un emplacement sur celui-là. Après, je pourrais mettre mes runes anti-elfes, mais... J'ai envie de mettre la volée de corbeau. Parce que ça a tendance à faire assez mal, et du coup, ça bousille bien les petits cons.
Après ça, il faudrait que je teste. On va essayer. Pas malheureusement. Prêt. Les jeux 40K, mis à part les Dawn of War. Oh, il m'a touché. Ah, le bâtard, il prévoit mes mouvements, sérieux. Dommage, il est invincible. Non, pas ça! Mais j'ai non une. On y est presque. Non.